Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Rod. Depuis qu'il est tout petit, il rêvait de faire de la prod. Il écoutait du Dr. Dre dans son MP3 d'un corps de geek. Maintenant, il est trop fort, trop fort pour la ligue. J'ai été invité au festival par le festival de la chanson de Granby. J'ai gagné un prix pour venir participer aux ateliers d'écriture. Ça fait peut-être 5 jours que je suis là. Puis là, on a fait un show hier soir, puis 2 shows dans les prochains jours. C'est vraiment une super belle expérience de venir faire des ateliers d'écriture. J'avais jamais fait d'atelier d'écriture comme ça avant, puis c'était vraiment très, très intensif, des 9 heures d'écriture par jour. On était très, très proches. J'ai vraiment adoré l'expérience, vraiment. Je me trouvais désabusée quand les rideaux se sont ouverts. Moi, j'ai toujours écrit bien confinée. Ça a toujours été un travail super personnel, intime, puis j'avais peur d'ouvrir à d'autres gens. Puis je me suis dit, ça serait peut-être un bon défi à me donner que d'aller écrire avec d'autres mondes, puis ouvrir mon univers, puis d'avoir un retour tout de suite, tu sais, sur ce que j'écris. C'est aussi un ancrage, je pense, à la suite de ma composition, puis le nouvel album qui commence à naître dans ma tête, dans mon cœur. Donc ça signifie aussi beaucoup de verdure et de grand air. Ça fait du bien. Je sais bien qu'on n'a pas le droit, qu'ils ne le permettront jamais, mais on ne vit qu'une fois, alors soyons fous, Madame Juliette, soyons fous. Alors moi, je suis de France et j'ai participé à un festival en France qui s'appelle Chantapart, qui est une série de concerts dans des tout petits lieux ou alors à domicile. Et en fait, le festival Chantapart, chaque année, on voit un artiste au festival de Tadoussac. Il y a un échange comme ça. Et cette année, c'était moi, voilà. J'ai été l'heureux élu et je suis très content. Moi, je suis assez voyageur et donc du coup, pour moi, le fait de pouvoir aller jouer ma musique dans d'autres endroits, surtout, enfin, en terre francophone, quoi, c'est un régal. Moi, j'ai une musique très basée sur le texte. Et c'est un vrai régal de la jouer ici. Il y a une tradition de chansonnier, de conteur, tout ça. Donc voilà, en plus du paysage, il y a tout ça. Et puis voilà, la culture qui me plaît beaucoup. Donc dans ma carrière, ça représente un moment que j'oublierai pas. Voilà.